à taper fort. Je suis dans la joie d'un studio de 14 mètres carrés. Vraiment fort. Il m'a logé de 3 pièces. J'ai été logé. Je bénis Dieu. Je rends toute la gloire. Je travaille avec une famille sénégalaise, camerounaise. Mais quand le mois finit, le virement est fait le 20. Or, le 20 déjà, quand le virement est fait, tout est parti. Donc, j'étais vraiment dans le besoin. En ce moment, je suis endettée. Quand papa m'a rassuré que ça va aller, bon, c'est un homme de Dieu, j'ai mis ma foi, j'ai dit, l'homme de Dieu m'a dit, ça va aller. Et aujourd'hui, une agence où je me suis inscrite depuis 2012 m'appelle le 25 novembre. Une agence. Donc, j'ai commencé là le 1er décembre. Je n'ai pas connu une jeunesse stable à cause de la maladie. Une maladie inconnue, invisible, intouchable. C'est moi seul qui sais que je suis malade. C'est dans cette église que je suis venu. Et très longtemps, je fréquentais les églises. C'est dans cette église que je suis venu et j'ai eu la guérison. Je viens de remporter, grâce à Dieu, une grande victoire. Amen. Vous savez, je venais à l'église ici ces derniers temps, surtout ces 3 derniers mois, avec une certaine forme d'inquiétude et d'amertume. C'était vraiment difficile pour moi. Mes papiers, je les ai eus en tant qu'étudiant ici quand j'ai eu une bourse pour venir continuer mes études ici en 80. Et après, j'ai gardé les papiers, je les ai renouvelés. Parce que chaque fois que je venais en mission ici, surtout la sécurité sociale, je l'ai gardé depuis le début. Jusqu'à ce que j'aille travailler en Afrique, qu'on me mute encore ici en 99. Donc, je n'ai fait que me réintroduire. C'est sans problème. Mais quand je suis parti en vacances en juillet dernier, j'ai reçu une lettre. D'abord, je ne l'ai pas reçue, mais bon, ils m'ont écrit d'après eux. Et cette lettre, j'y ai pas répondu. Or, je suis à 100% à cause de ma maladie. Je reviens des vacances, tous mes droits ont été supprimés. Partout où je vais pour mes soins, pour l'achat des médicaments, c'est comme si j'étais un pestiféré. Je vais voir un médecin, on dit non, mais votre carte est muette, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire pour vous. Il faut que je mette mon Dieu à l'épreuve. Jeudi dernier, je me suis présenté à la même place et j'ai vu le monsieur qui m'avait reçu. Il a dit, mais ton dossier a disparu. J'ai dit, comment mon dossier a disparu? Il a dit, bon, ok, c'est pas grave. Est-ce que tu habites loin d'ici? J'ai dit, non. Il me dit, va reconstituer les dossiers rapidement et tu viens me voir à 14h. Vous voyez, depuis 3 mois, je suis sans sécurité sociale. Je paye les médicaments alors que je suis à 100% pour tout ce qui est cardiologie. Et le monsieur, sur place, il me fait mes papiers, il me donne mon attestation et je sors de là. Et j'ai dit, Dieu merci. Donc, vous voyez, quand je ne peux pas témoigner sans chanter. Amen. Il m'a donné un message te concernant et il a déjà décrété cette année. Cette année, il a décrété l'année de la grâce. Amen. Il faut comprendre que quand tu es dans une année de grâce, c'est l'année de l'avènement de Christ. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est l'année de l'avènement de Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été sur 2 années. Je n'ai pas connu la première, parce que la première était la dispensation de la loi. Mais la seconde est maintenant la dispensation de quoi? La grâce. C'est celle-là qui a révélé Jésus. Et Jésus est venu nous annoncer des choses, des principes, des bénédictions. Et en même temps, il est venu pour nous restaurer. Amen. Et vous allez voir que dans la restauration qui a suscité l'avènement de Jésus, il y a une grâce qui est très importante pour un enfant de Dieu d'avancer dans ce qu'il cherche. Amen. Quand ta vie n'est que grâce, personne ne peut t'arrêter, sauf celui qui peut arrêter le vent. Amen. Et je veux rassurer un enfant de Dieu ce matin. Tu as souffert. Il y a eu des oppressions. Il y a eu des calomnies.
Il y a eu des injures, des accusations. Il y a eu toutes sortes de souffrances. Et Dieu dit, il n'est pas resté sourd à cela. Mais cette année 2018, elle est ton année de grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Amen. Vous savez, Dieu, quand il révèle, il confirme sa révélation. Amen, amen. Dis, je suis dans la maison de mon Père. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Dieu a dit que l'année qui arrive est mon année de grâce. L'année de grâce. L'année des accomplissements. L'année des faveurs. L'année de grâce dans mon foyer. L'année de grâce dans mes affaires. L'année de grâce dans les finances. L'année de grâce dans mes voyages. Dans l'entrepreneuriat. L'année de grâce dans mon ministère. L'année de grâce dans mes papiers. Dans l'enfantement. Dans le mariage. Dans la guérison. Je ne crains aucun mal. Parce que ce que Dieu a dit, sa main l'accomplit. Cette révélation est pour moi, ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme. Au nom de Jésus, ce matin, Dieu a dit, cette année, c'est une année de grâce pour ma vie. Je scelle cette révélation à mon âme, à mon esprit, à mon corps. Et quand j'avance, j'ai la victoire. Je ne reculerai pas. J'avancerai pour atteindre le but final de la grâce de l'année 2018. C'est vrai, j'ai connu des échecs, mais Dieu a dit, cette année 2018 est mon année de grâce. Au nom de Jésus, j'accepte, je crois et je m'attache à cette parole. Tout ce qui n'a pas été accompli dans l'année 2017, Dieu me dit, il accomplira. Je saisis la parole et je sais que je serai marié en 2018. Je sais, je travaillerai en 2018. Je sais que j'aurai ma promotion en 2018. Mes papiers qui ont été bloqués, avalés par le dragon. Dieu a dit, cette année, c'est mon année de grâce. Moi, je sais, mes papiers viendront vers moi. Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Acclame le Seigneur. Sois béni. Amen. Luc 4, à partir du verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Voilà. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, vous comprenez que l'on n'a pas dit, l'on n'a pas ignoré le fait que vous avez souffert. Dieu n'a pas dit que pendant l'année de grâce, il n'aura pas de tribulation. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il n'a pas dit que dans l'année de grâce, il n'aura pas de chômage. Non. Mais il sait une chose. Que l'année de grâce qui est décrétée dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour le rendre dans un premier temps libre. Pour le délivrer et pour lui donner un recouvrement de vue. Alléluia. Donc vous comprenez que quelles qu'en soient les situations,
qui seront au devant de vous. Ce n'est pas ça qui effraie Dieu. Mais il a dit une seule chose. Il dit l'année est décrétée comme une année de grâce sur la vie d'un enfant de Dieu. Quel qu'en soit là où il est emprisonné, moi Dieu je le rendrai libre. Quelle que soit l'oppression qui est sur sa vie, moi Dieu je le rendrai libre. Quelle que soit la paille ou l'opacité qui est sur sa vision, moi Dieu je délivrerai ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'un enfant de Dieu voit la lumière s'accomplir sur sa vie. Alléluia. Frère, quels que soient les filets qu'on vous jettera, Dieu n'a pas dit que les filets vont demeurer en vous. Il dit qu'il vous donnera la délivrance. Frère, quelle est la taille du démon? Quelle est la taille du sorcier qui va t'empêcher d'avancer? Amen. Amen. Je vous dis, Dieu aime Bethesda. Dis amen fort, je vais entendre. Non, Dieu nous aime. Regardez le dernier verset de 2 Luc 4, 19b. Le dernier verset. 2 Luc 4, 19b. B, je veux seulement entendre. B. 2 Luc. Luc 4, à partir du 19, à partir du verset. Non. Lis le B seulement. Pour publier. C'est ça le B. Alors. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Non. Pour envoyer libre. Non. Pour publier. Le B. Oui. Le dernier. La parole. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Regardez, ce qui va changer la nature de ce verbe, c'est du Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui révèle. Je vais vous révéler l'année de grâce. Il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc l'année de grâce peut être du diable. L'année de grâce peut être du voleur. L'année de grâce peut être du menteur. Mais toi, ton année de grâce là, c'est sorti dans Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand ton année de grâce vient de Jésus, quel est ce décret qui peut se lever contre toi? Alléluia. La mort n'est pas pour toi, dis amen. L'échec n'est pas pour toi, dis amen. Le chômage n'est pas pour toi, dis amen. La pauvreté n'est pas pour toi, dis amen. La sorcellerie n'est pas pour toi, dis amen. La mort n'est pas pour toi, dis amen. La maladie n'est pas pour toi, dis amen. Dieu a dit, il annonce une année de grâce à ta vie. Dis amen, fortement. Alléluia. Gloire à Jésus. Assieds-toi un peu. Frère, quand Dieu m'a rêvé avant, je disais, Seigneur, l'année de tous les accomplissements, Dieu dit. L'année du renouvellement, Dieu. Il dit, et il a commencé à me révéler cela juste après l'entretien avec mon père. Amen. Après l'entretien, je suis rentré. Entre midi et deux, j'étais fatigué. Et je voulais dormir. Je me suis couché. Et Dieu dit, regarde. Regarde l'état de ma maison. Parlant de mes enfants. Beaucoup ont eu le travail en 2018. Énormément. Beaucoup, 2017, j'ai dit. 2018, j'ai dit. Beaucoup auront le travail en 2018. Le travail là, ça va couler de soucis. Les gens vont créer des entreprises. En 2018. Parce que il y a un de mes enfants qui disait, mais papa, la personne s'est plaignée. Pour dire, ah, on ne comprend plus. Dis mon merci, papa. J'ai dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Et puis, un de mes fils dit, papa, pour les dîmes là, il ne faut même pas t'en faire. Parce que le travail va couler. Il dit, mon fils, je crois en ça. Tous ceux qui sont dans le chemin ici, même si tu n'as pas de papier, tu travailleras ici. Amen. Amen. Parce que un enfant de Dieu peut dire, je suis dans la grâce, quand il a un peu dans sa poche. Ou bien, disons-nous la vérité, quand on vous demande pourquoi vous venez à l'église, vous nous détournez la vérité. Non, c'est pour le salut de mon âme. Mais qu'est-ce que tu appelles le salut de mon âme quand ici il n'y a rien, c'est troué? Ou bien, non, c'est clair. Quand Dieu t'a béni financièrement, tu as les moyens de ta politique, quand tu arrives à l'église, on dit il y a ça qui ne va pas. Avant même que le pasteur ne prenne la
parole, toi tu as déjà réglé ça. C'est pas une année grâce à. Regardez un peu. Joseph arrive en Égypte. Face à qui? À Pharaon. Pharaon fait un songe. Où dans le songe, il fallait que quelqu'un lui explique les situations. Il a pris tous ces magiciens qu'on appelle les prophètes. Alléluia. Aucun d'eux n'a pu trouver le discernement du songe. Amen. Joseph arrive. Il dit, on le sollicite, il vient, il dit, aïe, 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 mais ça, c'est pas grave ça. N'est-ce pas? Parce que je sais un Dieu qui révèle les choses cachées. Je vais me retirer, je reviendrai. Et quand Joseph est arrivé, il a dit, bon, voici une année remplie de grâce. Donc Pharaon était content. Mais il lui a dit, pendant l'année de grâce, c'est ça? Prépare en même temps l'année de disgrâce. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Il y a des gens que la bénédiction va surprendre, surtout financière. Ça va vous surprendre. Mais faites attention à votre orgueil. Il y a des gens qui n'ont jamais connu des millions d'argent, des milliers d'euros. Quand ça va commencer à descendre, faites attention à vos pas, à tout ce que vous faites, aux actes que vous allez poser. Parce que Dieu va vous arroser fortement. Pendant le temps de la grâce, souviens-toi de la disgrâce. Mets de côté. Prépare ton avenir. L'avenir de tes enfants. L'avenir de ton foyer. Ton propre avenir. Prépare. Parce que quand le moment de la disgrâce va arriver, il n'y aura personne qui viendra vers toi. Alléluia. Je vais encore répéter cette parole. Vous serez financièrement bénis. Même dans les petites choses, vous serez bénis. Il y a des gens qui vont voir leur salaire flamber. Ils ne vont rien comprendre. Mais je t'en prie, ce n'est pas le moment des dépenses inutiles. Amen. Je t'en prie. C'est une année qu'un enfant de Dieu va connaître. Ce sera une année de grâce. Une année de beaucoup, beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Surtout dans l'entrepreneuriat. Beaucoup vont créer leur entreprise. Ça va marcher. Pour vous connaître, les finances, c'est-à-dire les salaires vont flamber. Ce que je suis en train de vous dire, écrivez, enregistrez. Vous connaîtrez ces moments. Vous connaîtrez ces moments. Vous les vivrez, mais je vous en prie, faites attention. Faites attention à ce qui est inhabituel. Ne faites pas ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Souvenez-vous de Dieu. Souvenez-vous de Dieu. En vous souvenant de Dieu, un véritable enfant, quand ça vient en abondance, il prend un peu, il mange, il donne à Dieu et puis l'autre, il investit. C'est pour créer des sources de bénédiction. Ne pas seulement une seule source. Parce que si tu as une seule source, quand elle est tarie, tu ne peux plus rien faire. Ce n'est pas le moment d'avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas le moment d'avoir multiplié les Louis Vuitton. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de multiplier les cravates, les costumes. Ce n'est pas le moment. C'est parce que Dieu a dit. La grâce qui va vous accompagner n'est pas celle-là où le compte en banque est bourré, mais vous ne faites rien avec. C'est celle-là qui va arriver où on voit l'accomplissement de la grâce par la réalisation. Un enfant de Dieu qui est béni financièrement, mais qui n'est pas réalisé et qui va dans les choses mondaines, n'est pas dans la grâce. La disgrâce va le rattraper. Un enfant de Dieu, quand il est dans la grâce, quand le moment de la grâce est là, il réalise. Il ouvre des portes de réalisation. Afin que la grâce que Dieu lui a donnée soit continuelle. Mais quand tu vas dans des endroits où on ne doit pas te retrouver, tu crées la disgrâce. Un enfant de Dieu, quand la grâce est là, est humble. Il est subtil. Subtil. Il ne fait pas de tapage. Quand il est dans le moment de la grâce, il est subtil. Quand il marche, la tête baissée.
enfant de Dieu, des choses qui coûtent des millions d'euros, ce n'est pas la grâce. C'est de faire appel à la disgrâce. Dieu me charge de vous parler. Dieu me parle de vous instruire ce matin. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Vous serez élevés. Alléluia. Gloire à Jésus. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu en Ésaïe 61 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. L'Éternel a oint qui? Ésaïe pour porter qui? La bonne nouvelle. L'Éternel, Dieu a oint Jésus pour porter quoi? La bonne nouvelle. L'Éternel m'a oint ce matin pour porter quoi? La bonne nouvelle. Je suis venu vous annoncer de la part de l'Éternel la bonne nouvelle. Frère, cette bonne nouvelle t'exige une attitude. Cette bonne nouvelle t'exige un principe de vie. Sans ce principe, la grâce peut arriver, mais tu risques de gaspiller la grâce. Tu risques de dilapider la grâce. La grâce accompagne de principes de vie. La grâce accompagne de principes, de principes. S'il n'y a pas de principes, la grâce, tu risques de jouer avec. C'est comme le mariage. Le mariage exige des principes de vie. Dieu est totalement attaché à sa grâce et à ses principes. Le fanfaronnage ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu est humble, subtil. La parole dit ce matin, il est venu pour qui? Pour les malheureux. Il est venu pour? Pour donner la bonne nouvelle aux malheureux. Il est venu donner la bonne nouvelle à qui? À des malheureux. À des malheureux. Si quelque part un domaine de ta vie ne connaît pas de croissance, tu es malheureux. Alléluia. Si un domaine de ta vie t'amène tous les jours à pleurer, tu es malheureux. T'amène à douter, tu es malheureux. Tu peux être dans la maison de Dieu depuis des années et souffrir. Amen. Amen. On peut être pasteur et être malheureux. À bien plus forte raison, simple fidèle. Dieu dit, il est venu à la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est la grâce qui est sur ta vie. Mais la grâce de qui? La grâce du Seigneur Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Lis encore, ma fille. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui sont malades, le cœur brisé, trahison. Ceux qui souffrent dans leur âme, dans leur cœur, qui ne savent plus où aller, comment marcher, vers qui aller, qui sont dans l'agonie, dans l'angoisse, dans la dépression. Dieu me charge ce matin pour dire, il est venu pour tout cela. Amen. Parce qu'il faut savoir, si cela n'est pas brisé et détruit de ta vie, la grâce peut arriver. Mais tu ne sauras pas la garder. Pourquoi? Parce que tu seras dans l'oppression. D'abord, il va te restaurer. Amen. Parce que si Dieu ne t'a pas restauré, à cause de la trahison d'hier, où l'autre t'a trahi, il a bouffé ton argent. Certainement, tu lui as donné de l'argent pour construire. Il va prendre, il va gaspiller. Il va te mentir. C'est tellement tu lui as envoyé faire une course. Tellement tu as eu confiance en lui. Tu lui as envoyé des millions. Il a tout explosé. Et cela est dans ton cœur. Le cœur est opprimé. Le cœur est rempli de rancœur. Rempli de vengeance. Alléluia. C'est tellement l'homme avec qui tu étais. Il t'a tellement méprisé. Qu'il t'a abandonné. Après toutes les promesses qu'il a faites de toi. Amen.
Et aujourd'hui, tu crois que tu es dans la honte. Tu crois que les gens t'indexent parce que tu es dans la moquerie. Tu crois que tu ne peux plus te marier parce que l'autre t'a abandonné. Non, c'est faux. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle de ta vie. Il dit, il est un Dieu vrai qui appelle à l'existence et qui n'existe pas. Il faut savoir, quand une situation frappe ta vie, c'est parce que lui, Dieu, il est dedans et il ne veut pas que demain tu pleures. C'est pour cela qu'il enlève ses oppressions au milieu de toi. Alléluia. Frère, ton cœur a besoin d'une paix. Il est venu t'apporter la paix. Ton cœur a besoin d'une tranquillité. Il est venu t'apporter la douceur et la tranquillité. Il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu qui fait toutes choses avec ses principes et chaque moment avec le temps. Il y a eu un temps de souffrance, un temps de pleurs, un temps de médisance sur ta vie, un temps de calomnie. Maintenant est venu le temps de restauration. Parce qu'il t'apporte la grâce. Dis amen, je vais entendre. Alléluia. Si tu n'es pas marié aujourd'hui, n'accuse personne. Parce que ta situation est entre les mains de Dieu. Il est le seul qui décidera de toi. Frère, beaucoup aiment tellement les bénédictions qu'ils sont obligés de faire des cafouillages, de camouflage pour faire de semblants de bénédictions. Non, ne cherche pas celle-là. Cherche la véritable bénédiction. D'abord, qui est incarné dans sa patience, parce que c'est un Dieu de principe. Principe exige la patience. Et quand tu es dans la patience par les principes de Dieu, quand le moment véritable arrive, personne. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne peuvent que observer, ils ne peuvent rien faire. Frère, je vous dis la vérité, ça coule des sources quand le véritable moment de la grâce de Dieu commence à descendre sur ta vie. Personne ne peut l'arrêter. Amen. Et il me disait, il dit, seule la personne qui peut arrêter le vent peut arrêter la grâce qui va couler sur ta vie. Alléluia. C'est pour cela que, en même temps que la grâce est là, je t'inscris aussi sur la disgrâce. Fais attention. Parce que c'est un Dieu de principe. Tu dois quitter totalement les choses que Dieu ne confessionne pas. Parce que les autres parleront grâce. Et toi, tu parleras disgrâce. Non. Nous sommes dans l'unité, dans le corps de Christ. Nous devons tous parler le même langage. Mais pourquoi les uns sont bénis, les autres ne le sont pas? Regardez Rachel là, qui vient d'arriver dans la mission. Dieu lui a donné trois clés. Elle a dit à deux clés, à moins de trois mois. Ce Dieu-là n'est pas capable. Amen. À moins de trois mois. Elle est arrivée, je lui dis, commence à travailler dans l'église. Cherche un département, va travailler. Papa, mais toi, faut m'engager. Je dis, je n'engage personne. Quand je vais t'engager, maintenant ton cœur se désengage, on fait comment? Toi, tu faisais quoi? Papa, moi, je veux être ici, d'accord. Viens, je te bénis, je bénis, va travailler. Elle a commencé à travailler, deux clés sont tombées. Comment encore tu peux douter de ce Dieu-là? Dieu, il est réel. Il est dans son obéissance. Il est dans sa foi. Il est dans sa contenance spirituelle. Le Dieu ne change pas. Ne trouve pas, fouillez pas pour chercher notre Dieu. Il n'est pas là-bas. Restez comme ça. Un homme intègre, c'est un homme qu'on ne fait pas tomber. Mais ça n'empêche pas qu'on attaque. Job a été attaqué comme il faut. C'est à cause de la grâce qui était sur sa vie parce qu'il était intègre. Et parce qu'il aimait tellement Dieu. Personne ne doit te faire changer ton amour pour Dieu. Non. Même pas les épreuves. Même pas les attaques. Quand quelqu'un passe derrière toi la nuit pour venir t'attaquer, est-ce que lui-là, il est fort? Est-ce qu'il est fort? Il n'a qu'à venir dans la journée pour t'affronter? Alléluia. C'est parce qu'il a déjà vaincu. Il est dans la disgrâce. Amen. Donc quand il te voit, il a peur. Un enfant de Dieu sur qui a établi la grâce. Quand on le voit, on a peur. Quand tu arrives comme ça, tu fais peur. Mais on dit, qu'est-ce qui se passe? Sur
il compte et puis il est tellement serein. Un enfant de Dieu est serein. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a établi en lui sa grâce. Amen. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Continue la lecture, ma fille. Pour proclamer aux captifs la liberté. Oui. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Je ne sais pas qui est sous oppression ici. Mais à partir de ce matin, je ne crois plus à une oppression. Je ne crois plus à une oppression. Est-ce que tu peux dire amen? Je ne crois plus à une oppression. Est-ce que tu peux dire amen? Je ne crois plus à un prisonnier ici. Est-ce que tu peux dire amen? Il n'y a plus jamais de prisonnier ici. Dis ce matin, les liens sont coupés. Les liens de la prison sont coupés. Les liens de la sorcellerie sont coupés. Les liens des échecs sont coupés. Les liens de la mort sont coupés. Les liens de la pauvreté sont coupés. Parce que Dieu a décrété la grâce sur votre vie. Amen. Dieu a décrété l'année de la grâce. Quand tu marches, je t'en prie, que ton langage ne change pas. C'est pas parce que tu as cogné un caillou que tu es en train de tomber. Non. Amen. Sur le chemin d'un enfant de Dieu, quand il n'y a pas de pile, ce que tu vas recevoir devant là, tu ne vas pas garder. Amen, amen, amen. Un enfant de Dieu, quand il marche, son chemin, son parcours est parchemin d'épreuves. Pourquoi? Parce que chaque épreuve est une formation. Tu apprends de toutes tes épreuves. Un enfant de Dieu qui veut aller loin, qui veut grandir, qui veut avoir une grande, grande, grande sagesse, il est parchemin de preuves. Et chaque preuve te forme. Ça te forme. Ça te forme. Ça te forme. Ça te forme. Mais ça n'empêche pas le but de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu seras élevé. Tu seras marié. Tu seras marié. Tu travailleras. Alléluia. On peut l'étudier dans Lévitique 25. On va l'étudier rapidement. Je ne voulais pas y arriver, mais on va l'étudier. Lévitique 25, à partir du verset 10. Verset 10, yes. On va l'étudier. La parole de Dieu en Lévitique 25, à partir du verset 10. Oui. Et vous, sanctifierez la 50e année pour publier la liberté. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Amen. Ma fille, oui, papa. On va reprendre doucement. Amen. On a dit le 25. À partir du verset 10. Voilà, doucement. Okay. Ils vont comprendre et je vais leur expliquer. Et vous sanctifierez la 50e année. Attends. Quand on parle de sanctifier la 50e année, ça voudrait dire quoi? D'abord, la considérer, ça c'est un. Deuxièmement, quand on la considère, il faut maintenant la sceller, c'est-à-dire la prendre au sérieux. Sanctifier, c'est ça? Il faut la célébrer. Sanctifier, célébrer, il faut plus ou moins l'adorer, n'est-ce pas? Il faut la s'aimer aussi. On est d'accord avec vous? Donc, on comprend qu'un jubilé se sème, un jubilé se célèbre. Une nouvelle année qui est décrétée dans notre vie se célèbre. Quand quelqu'un atteint le cinquantenaire, chaque année, vous allez voir qu'on dit c'est le cinquantenaire d'un pays. Il y a des pagnes dans le cinquantenaire qui est sorti, n'est-ce pas? Des t-shirts sont sortis, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, ce qui fait que nous célébrons cela et des gens s'aiment aussi. Ils s'aiment, ils apportent des dons parce qu'ils veulent qu'à chaque anniversaire du cinquantenaire de leur pays, il faut que la grâce soit sur leur vie. Donc, ils s'aiment. Elles ont compris ce matin. Amen. Maintenant, regardez la suite. Continue. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Vous danserez au son ou à la trompette de la liberté. Est-ce que quelqu'un qui est enchaîné peut danser? On danse à quel moment? Ce n'est pas le temps de la victoire. Ce n'est pas le temps de la grâce.
tu vas danser au nom de Jésus. Tu vas danser au nom de Jésus. Tu vas célébrer au nom de Jésus. Tu vas danser au nom de Jésus. Je dis, tu vas danser comme tu n'as jamais dansé. Dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen, dis amen, dis amen. Fais un pas de danse, fais un pas de danse, fais un pas de danse. Fais un pas de danse, fais un pas de danse. Yeah, 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 yeah. Je veux voir le peuple danser. Parce que ton jubilé va commencer bientôt. Ton jubilé va commencer dans quelques heures, quelques minutes. Ton jubilé va commencer. Amen. Dis encore. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Chacun de vous retournera dans la propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Amen. Le jubilé est très important. Quand un jubilé est décrété dans la vie de quelqu'un, il faut savoir que les années suivantes sont des années tellement bonnes. Amen. Frère, tu vas connaître une année tellement florissante. Tu vas... Oh, je dis, tu vas connaître une année florissante. Souvenez-vous de l'année dernière. Qu'est-ce que Dieu disait? L'église allait connaître quoi? Une année de mariage. N'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez connu? Mais cette année, tu vas être élevé financièrement. Tu vas connaître la grâce financière. La grâce de la prospérité. La grâce de l'abondance financière va t'accompagner. La grâce de la réalisation de tous tes projets. Tout ce que tu as promis comme projet va se réaliser. Le travail sera attaché à toi. Oh, je ne sens pas le peuple. Oh, je ne sens pas le peuple. Je dis, le jubilé de ta vie va commencer. Vous ne sèmerez point. Dis amen. Vous ne moissonnerez point. Dis amen. Ce que les champs produiront. Et vous ne vendrez point de vignes non taillées. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Amen. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Hé, Dieu me fort. Amen. Regardez un peu. Même si tu n'avais pas de foyer, même si tu n'avais pas de maison, même si tu n'avais pas un toit, même si tu n'avais pas une famille, Dieu dit, cette année, l'année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Tu seras propriétaire au nom de Jésus. Tu vas acheter une maison.